Culture. Comment ça va? Bah très bien, très bien. Écoutez, nous, c'est la super forme. On se prépare justement pour un superbe programme à partir de la semaine prochaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques rendez-vous culturels qui se font déjà ici au niveau de la capitale et dans certaines wilayas. Le grand rendez-vous, bien entendu, c'est les élections présidentielles pour ce samedi. Donc, il faut savoir que il va y avoir les rendez-vous culturels vont se faire. Ce sera un peu plus timide, bien entendu, puisque le grand rendez-vous, ce sera les élections présidentielles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'établissement Agriculture organise, par exemple, aujourd'hui. Je trouve ça très sympa au niveau notamment. D'El Ibrahim, un très très bel espace. Donc c'est à d'El Ibrahim, c'est au niveau du bois d'écart, hein, que vous connaissez. Bah oui, très bien. Voilà, le fameux bois d'écart. Ce bois d'écart a été aménagé au profit des enfants, des familles. Donc il y a pas mal d'activités. Il va y avoir aussi des concerts de musique. Et je trouve ça franchement très très bien. Donc c'est au niveau du bois d'écart aujourd'hui. C'est un rendez-vous à ne pas rater en après-midi, en fin d'après-midi. Et on se prépare également à un concours littéraire qui se fait donc, ce sera pour notamment à partir du 19 de ce mois, il va y avoir donc un concours dédié à la nouvelle, la courte nouvelle, et on va y revenir certainement dans nos prochaines éditions. De la musique, et il y en aura notamment ce jeudi au niveau de la fameuse maison d'Arbachtarzé. Vraiment, je vous invite à y aller parce que c'est une architecture très très particulière, c'est un style très particulier, et même le quartier, vous savez, c'est à la Casbah, bien oui. Entendu, hein. Donc c'est la basse Casbah, c'est une des petites ruelles de la basse Casbah. En face, Jamia Ketchawa, la mosquée Ketchawa, mais c'est particulier, les ruelles sont très 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 étroites. Il y a une certaine intimité, il y a encore des petits commerces à l'ancienne. Vraiment, on est dans un autre monde. Une capsule spatio-temporelle. On est dans voilà. Un autre monde, vous savez, on est en pleine capitale où ça bouillonne de partout. Et puis hop, dès qu'on rentre dans cet espace, on est dans un autre monde. On vit ailleurs. C'est Alger, c'est le Jazeïre. Je sais pas, peut-être des années 30, 40, 50. Et puis on a l'impression qu'on revit un peu cette ambiance d'Alger. Et ça fait, croyez-moi. C'est exactement voilà, ce qu'on aime et ce qui nous fait du bien. Ça donne du bon au cœur. Bah on ira. Et je suis certaine que ce quartier, et notamment cette ruelle, va être très très animée parce qu'il y a cette maison. Donc c'est ce fameux bâtiment. C'est un bâtiment. Hein. Donc qui abrite ces rendez-vous culturels. Et il va y avoir beaucoup de passages hein, dans ce quartier très intime. Il y a une intimité, on le sent. Donc, ça va être très, très, très... c'est un lieu qui va être vraiment très, très fréquenté. Et j'invite ceux qui nous écoutent ce matin à y aller, ne serait-ce que pour voir. Eh bien, le message est passé et lancé. Merci, Linda. Merci à vous. À bientôt.